n'avais qu'aujourd'hui ton prénom. Charlotte. Charlotte, ok, moi c'est Charlot. Enchanté Charlot. Solène. Solène. Ouais. C'est-à-dire. Elle fait pas la signification de son prénom. Non, il y en a pas en fait. Quelle est la plus belle langue au monde? C'est langue. La langue. Le portugais. Ouais, je pense. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots en portugais? Non, je sais pas trop parler. Genre, je suis portugais, mais je comprends, mais je sais pas trop parler. La plus belle. Ouais. Le français et l'anglais. Le français et l'anglais. Oui. Et l'arabe bien sûr, mais j'ai là, déjà. T'es à trois langues. J'ai pas dit quelles sont, j'ai dit quelle est. La plus belle langue au monde. Ouais. Je dirais l'italien. J'aime bien comment ça sonne. Et toi? L'algérien. L'algérien, c'est-à-dire l'algérien, c'est pas une langue. Hein. Il y a une langue forcément. Ah, le chaoui, le chaoui. Le chaoui, il a dit. Ah ouais. Attends. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec mon gars Solo My Nigga. Ah ouais, Solo Nigga, bienvenue mon gars. Merci. Alors dis-moi, quel est le thème d'aujourd'hui? Alors le thème d'aujourd'hui c'est: quelle est la plus belle langue au monde selon vous? Et vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour donner la force à nos chaînes. Sur ce, bon visionnage. Alors, la question d'aujourd'hui, ça parle de langue. Okay. Alors dis-moi, quelle est la plus belle langue au monde selon vous? L'anglais. Le français. Le français, elle a dit le français. Vous êtes française? Oui. Ah, je comprends pourquoi. Alors pour moi, c'est le bambara parce que je suis malien. La plus belle langue au monde? Ouais. Peut-être l'italien? L'italien. T'aimes bien la langue italienne alors? Oui. Ouais. Ça veut dire que c'est une langue de préférence pour toi? Oui, exactement. Ah, je dirais... Non, l'espagnol. L'espagnol. Il y a un petit côté de charme, tu vois. Voilà. Je trouve. Vous aimez bien ces côtés-là de charme et tout. Ouais, voilà. Prononciation. Ouais, exactement. Est-ce que vous voulez dire, que vous pourriez dire quelques mots en espagnol? Ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté l'espagnol. Oh, chica. Te amo. Muy bien. Ah, j'espère que vous n'insultez pas ma mère, j'espère. Non, non, non. La plus belle langue au monde. Ouais. Je sais pas, il y en a tellement que... Oui, mais selon toi, il y a quand même une préférence. Disons que ma préférence, ce serait l'anglais parce que c'est international. Ouais. Mais après, je vais quand même privilégier ma langue natale, le français. Et je vais envoyer un petit coup pour le créole aussi. Parce que vous sentiez, on parle créole. Donc, n'oubliez pas, le créole, c'est une langue littéraire aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. La plus belle langue du monde, selon moi, allez, l'italien. L'italien, l'espagnol, ouais, j'aime bien. Bonjour, excusez-moi, une question pour YouTube, s'il vous plaît. Oui. Alors, quelle est la plus belle langue au monde selon vous? La plus belle au monde. La plus belle langue au monde. La plus belle langue au monde. Ouais. Le néerlandais. Néerlande. Ouais. Vous êtes néerlandais? Non. Vous êtes français? Non. Et pourquoi le néerlandais? Parce que ça sonne bien. Ça sonne bien. Alors, si vous deviez choisir votre langue maternelle, vous choisirez laquelle? L'anglais. L'anglais. Alors, dites-nous quelques mots en anglais, s'il vous plaît. Hello, how are you? Hello, how are you? Ça veut dire quoi, ça, en français? Traduction, s'il vous plaît. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Alors, pour une fois, j'ai appris l'anglais quand même. Merci. Quelle est la plus belle langue au monde, selon vous? Le français. Le français. L'anglais. L'arabe. L'arabe. Bah oui, c'est tout. Alors, je suis marocaine d'origine. Marocaine d'origine. Ah ouais. Et vous, Moi aussi. Ouais. L'arabe. L'arabe, oui. Ah ouais. Et pourquoi l'arabe? Parce que, voilà, c'est la plus dure langue. À apprendre, déjà, ouais. Ouais. Elle est pas mal riche aussi comme langue. Déjà, c'est la plus dure à apprendre, on pensait que c'est la plus belle. Ouais. Et de plus, le lexique, il est beaucoup plus riche que, du coup, le français ou l'anglais, que c'est beaucoup plus basique, ouais. Donc, c'est pas mal. Et à part l'arabe, vous... Le français? Le français, ouais. C'est un peu littéraire, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Et toi, quelle est la plus belle langue au monde? C'est l'arabe, ma gueule, on est arabe. L'arabe. Bah oui. Quelle est la plus belle langue au monde, selon vous? Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, mais vous avez quand même une préférence. Ma langue, puisque mon pays natal, c'est... Quelle est votre langue? Française. La langue française, c'est pour vous la plus belle langue au monde? Oui, mais il y en a plein d'autres qui sont chantantes, qui sont... Il y a l'intonation, il y a plein de choses qui font la beauté du monde aussi. D'accord. Et vous, madame? Bah, c'est ma langue française, c'est la langue française parce que je suis française. Le kabyle. Le kabyle, il a dit. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Kabyle, c'est une langue de l'Algérie, c'est ouais, ça? Ouais, ouais. Ok, je me disais bien. Le malgache. Le malgache.
Le créole. Le créole. Ouais. Ah ouais. Mais pourquoi le créole? Parce que je viens de la Réunion. Elle est malgache, je crois, non? Non, j'étais à Madagascar. Ah ouais. Ouais. Et t'es de quelle origine, toi? Française algérienne. Française algérienne, mais plutôt le malgache. Et qu'est-ce qui t'attire le plus? Je sais pas, c'est la culture, la langue, c'est beau, je trouve que ça se parle bien, c'est. Est-ce que vous pourriez dire bonjour en malgache? Akuri. Akuri. En tout cas, big up à tous les malgaches qui nous regardent. Et vous, la plus belle langue au monde, selon vous? Moi, je dirais turc. Le turc? Le turc, ah, ouais. Vous êtes d'où, vous, vos origines? Moi, c'est albanais. Albanais, mais ouais. Plutôt le turc. Plutôt le turc. Premier. Pourquoi le turc? Parce que, je sais pas, c'est un peu nos frères et puis... L'espagnol. L'espagnol, il a dit tout de suite. Ouais, franchement, sans hésiter, hein, franchement, pour moi, c'est grave, une belle langue, tout ça, c'est fluide et tout. Ouais. Faut juste avoir le parler en vrai, après, c'est grave bien. Et tu parles espagnol un peu? Si, un peu, si, claro. Claro? Si, claro que si. Comment te llamas? Me llamo Yannick. Yannick? Si. Yo soy solo. Si? Si, si, si. Ah, ouais, non, pues. Me gusta tu nombre. Si. La plus belle langue au monde? Ouais. Bah, le français, hein. L'italien. L'italien. Je parle pas italien, mais c'est beau. Ça sonne bien. Côté charme, ça sonne bien, voilà. Exactement. D'accord. Et si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle? L'anglais. Ouais, pareil. Anglais aussi. Toujours? Ouais, anglais. Et pourquoi l'anglais? Bah, c'est universel. Puis c'est universel. La plus importante, la plus parlée. Si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle? Je sais pas, l'espagnol, je pense. L'espagnol. Moi, le français. Le français, vraiment, oui. Ah, oui. Mm-hmm. Pourquoi? C'est difficile à apprendre quand même. Non, parce que c'est une très belle langue et. Je sais pas trop. Si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle? L'anglais, en vrai. Ça serait beaucoup plus facile parce que comme ça, tu discutes un peu avec tout le monde. Ouais, voilà. Moi aussi, l'anglais. Et si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle? Je pense que je choisirais l'anglais. Hein. L'italien, c'est une langue qui vit. Dis-nous quelques mots en anglais. Je sais pas, hello, how are you? Hello, how are you? Ça revient deux fois, hello, how are you? Ah, je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Si vous devriez choisir votre langue natale à part le français, ce serait laquelle? Le français, à part le français. Mais oui, monsieur, mais non. Ah, si. Tout le monde pense le français. D'accord, et la langue la plus utile à apprendre? Ah ben, l'anglais. L'anglais, ah, là au moins. Ah bah oui, là, c'est clair. C'est clair. Si tu devrais choisir une langue natale, ou ta langue natale, ce serait laquelle? Le français. Le portugais. Le portugais aussi, je kiffe. Mais le français, ouais, moi j'aime trop. Et puis, à travers le monde, tout le monde aime, les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en portugais? Bon dia. Bon dia. Ouais. Donc, c'est-à-dire bonjour. Ouais. Obrigado. Obrigado. Obrigado à tous les portugais qui nous regardent. Ma langue maternelle? Ouais. Le malgache. Natal? Ouais. Bah, je suis né en France, donc je vais dire le français. Mais... Français? Le français. Vous êtes français, hein? Oui. Et vous? Je dirais français. L'anglais. L'anglais? Oui. Et pourquoi l'anglais? C'est parlé quasiment partout dans le monde. Ma langue natale? Ouais. Le russe. J'aurais aimé parler russe. Mon papa est polonais, donc c'est à côté. J'ai pas eu la chance, enfin... Il a pas eu la patience de m'apprendre le polonais, mais j'aurais aimé apprendre le russe, par contre. Là, ma question, genre... J'aurais aimé parler russe, être natal, voilà. La langue la plus utile à apprendre, selon vous? L'anglais. L'anglais, ouais. D'accord. C'est clair, ouais, bah, je suis désolé, je suis d'accord avec vous. C'est l'inverse. Ouais, bah, l'anglais, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus serviable, ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot en anglais? Je sais pas... We love Paris, and we think it's a really good city to live in. La langue à apprendre? La plus utile. La plus utile, bien évidemment, c'est l'anglais. Parce que c'est international, voilà. c'est une évidence. Après, de plus en plus aujourd'hui, tout ce qui est asiatique, chinois, japonais, je pense que c'est hyper utilisé. Enfin, je suis dans l'international, donc je sais que voilà. Et l'arabe aussi, énormément, de plus en plus. Quelle est la langue la plus utile à apprendre? Alors, pour pouvoir voyager au travers le monde, puisque c'est la langue plus ou moins universelle, c'est l'anglais, puis après portugais, espagnol. Et après, pourquoi pas, en fonction de ma vie, apprendre une langue pour m'adapter si je dois voyager dans un pays ou quoi que ce soit, pour le travail, pour le business, si je dois rester... oui, je m'adapterai. Pourquoi pas, faut toujours être ouvert aux autres. Alors, pour toi, quelle est la langue la plus utile à apprendre au monde? L'arabe. L'arabe? Bah oui. Tu peux nous dire bonjour en arabe? Sabah al-khair. Sabah al-khair. Je pense que sabah al-khair, ça veut dire ça va bien. Non. C'est pas bonjour. Non, c'est bonjour. Je parle un peu arabe, hein. Arrête. Hein. L'anglais. L'anglais. Ouais. Alors, tu peux nous dire quelques mots en anglais?
Understand, je sais pas. Understand, ça c'est pas l'anglais ça. La vie de ma mère nulle. Alors, si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle? Bon, je dirais le français, parce que je parle français, mais je sais pas, hein. L'anglais, parce que tout le monde parle anglais, c'est plus facile pour s'intégrer. Ce serait mieux l'anglais, ouais. L'anglais, hein. Ouais, ouais. D'accord. J'ai pas compris, Nathan. C'est quoi? Une langue maternelle, une langue. Comme tu étais. À part ma langue. À part ta langue. Oui. Je vais choisir l'anglais. Ouais. Signorita, c'est pas l'italien? Signorita, c'est en espagnol. C'est en espagnol? Signora, ah. C'est en italien. Ah, je suis nul, hein. Vous parlez combien de langues? Deux courantes, enfin anglais, français bien entendu, ah. Et anglais, italien. Pour toi, quelle est la langue la plus utile à apprendre? L'anglais. L'anglais? Ouais. Tu penses que ça peut faciliter le commerce et tout, c'est ça? Tout, tout. Les anglais, ils viennent en France, ils parlent anglais. Il faut qu'on parle anglais nous aussi. On va en Angleterre, il faut qu'on parle anglais. Partout, ils parlent tous anglais. La langue la plus utile à apprendre, sans? Bah l'anglais, hein. Franchement, on va pas se mentir. L'anglais. International. Eh ouais, c'est international. Oui, c'est l'anglais aussi, puisque c'est la langue internationale, donc c'est l'anglais qu'il faut parler, que tous les jeunes doivent apprendre à l'heure actuelle, et après leur langue natale, bien entendu. La langue la plus utile à apprendre, selon vous? Je suis sûre que c'est le chinois, le plus simple, en vrai. Ah ouais? Le chinois? Franchement, c'est la première, c'est pas facile, le mandarin. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Il y en a qui, ouais, ouais. Je pense que c'est une langue, ça va percer dans, ouais, dans le futur, en fait. Faut se méfier. La plus utile, c'est l'anglais. Ouais, je suis d'accord. L'anglais. Ouais, je suis d'accord. D'accord. L'anglais, bah, c'est la langue la plus parlée dans le monde, donc ouais, pareil. C'est plus simple. Ouais. Et à part l'anglais, vous pensez français, moi. Hop. Ouais, pareil, le français. Le français. Mmh. Pas le mandarin, peut-être dans le futur. Ah, tiens, t'as raison, en plus, c'est ça. Non, ouais, le mandarin, ouais. Ah, tiens, on me pose une question, enfoiré, non. D'accord. Il m'a posé une question. Je remercie.